Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, après près d'un million de personnes qui ont regardé mes vidéos sur le Tucson de précédente génération, je vous présente le nouveau Hyundai Tucson qui vient d'être restylé, le facelift 2024. C'est une voiture qui a plu énormément, il s'en vend 18 000 par an, c'est la voiture importée la plus vendue de son segment chez nous en France et Hyundai m'a invité à vous la présenter. Donc je vais le faire, je vais vous donner les caractéristiques qui changent, également des motorisations différentes, des puissances différentes, également plein de petites touches à l'intérieur, tout comme l'avant, vous avez peut-être déjà pu le voir pendant cette intro, des choses qui évoluent. Petit truc sympa que je vais faire maintenant lorsque c'est possible, comme avec cette voiture, c'est vous mettre un lien dans la description, le premier lien, et vous allez pouvoir vous mettre au volant pour pouvoir tester cette voiture. Ce que pour moi le plus important également, certes après avoir regardé la vidéo de Nicolas, c'est de se dire tiens, si j'allais l'essayer et voir ce que ça donne sur la route, c'est là aussi où c'est pas mal important de se faire un avis soi-même. Alors déjà, on va pouvoir commencer par le tarif. Il commence à partir de 36 900 €. Il existera maintenant en hybride ou en hybride rechargeable. En hybride, il y aura deux versions et une version hybride rechargeable. Sa base, c'est le même châssis qu'avant, mais également ce sera le châssis du nouveau Hyundai Santa Fe dont je vous ai fait une vidéo également. Donc c'est en gros le Santa Fe, c'est ça, mais en plus gros, mais avec un look encore totalement différent, mais la même base moteur, même que ce soit en hybride ou en hybride rechargeable. La version PHEV, en version max, on sera aux alentours des 54 000 € pour vous faire une idée. C'est donc la quatrième génération de Tucson. L'autre était arrivé en 2020. Cette fois-ci, il n'est plus disponible en essence simple et n'est plus disponible en diesel. Il ne restera que des versions hybrides. En hybride, 1,6 litre, 4 cylindres, 215 chevaux. Donc comparé à avant, c'était 230. On verra très peu la différence. On passe à 215 chevaux et 350 Nm de couple, ce qui est plutôt correct, ce qui nous donne tout de même un 0 à 100 en 8 secondes 2 pour un SUV familial, ce qui est largement suffisant. On a une batterie de 1,49 kWh, donc 1,5 kWh à peu près, ce qui est dans la moyenne du segment. Et on verra, on a pas mal de phases déjà en électrique. Ensuite, il y aura la version 4 roues motrices. Ce sera toujours la même motorisation, sauf que ce sera une 4 roues motrices. La même batterie, le même moteur, le même groupe électrique, sauf des roues arrière également qui vont pouvoir motricer. Et un 0 à 100 en 8 secondes 5, puisqu'on rajoute un petit peu de poids, environ une centaine de kilos. Et ensuite, on aura une version avec la plus grosse batterie, qui cette fois-ci est un hybride rechargeable, c'est-à-dire PHEV ou plug-in hybride. On aura une batterie de 13,8 kWh. On testera bien sûr l'autonomie lorsque ce sera disponible. Pour le moment, les versions qu'on a aujourd'hui, c'est juste des versions exécutives en version hybride simple traction. C'est sûrement une des versions la plus vendue. Et ensuite, il y a quand même un tiers des ventes qui se font en N-Line. N-Line que j'avais beaucoup aimé également, parce qu'on a des parties peintes. Mais d'ailleurs, pendant qu'on parle de peinture, on a ce nouveau vert. Et d'ailleurs, le monsieur de la presse de chez Hyundai devait m'envoyer le message et il s'appelle le Cypress Green. Donc, nouveau vert, un petit peu vert anglais, qui colle très bien à cette voiture. Il aurait plus que manqué un intérieur un petit peu cuir marron, ça aurait été parfait. Comme je suis tout en impro, là je parle pays, Angleterre, et ça me fait souvenir que cette voiture est fabriquée en Europe. Le Tucson est fabriqué en République tchèque. Mais je reviens à mes moutons du PHEV. Le PHEV fait lui maintenant 253 chevaux. On a baissé un petit peu également comparé aux 265 chevaux d'avant. Mais c'est également une version 4 roues motrices pour la version plug-in hybride. Pourquoi ils ont baissé la puissance? Et ça, c'est à cause des normes et les émissions de CO2. C'était pour ne pas avoir de malus. Donc, ils ont baissé un petit peu la cartographie moteur sur le thermique. Ils ont rajouté un petit peu sur l'électrique et ça nous donne une puissance cumulée un petit peu en baisse. Mais 215 chevaux, vous allez le voir, c'est largement suffisant. On n'a absolument pas besoin de plus. Au niveau des dimensions, ça ne change pas. 4,50 m de long, 1,87 m de large sur 1,65 m de haut. On a un empattement de 2,68 m. Normalement, pour ceux qui se rappellent, c'est très généreux à l'arrière. On va voir si ça n'a pas changé, mais normalement, je ne pense pas. Au niveau du poids, 1650 kg pour cette version en traction, 1750 kg pour la version 4 roues motrices et 1825 kg pour la version 4 roues motrices PHEV. C'est des voitures qui peuvent remorquer 750 kg en non freiné et jusqu'à 1360 kg avec une remorque freinée. On a une garde au sol de 17 cm. On pourra mettre 52 litres d'essence de ce côté-là. Dans cette version
hybride simple. Dans la version hybride rechargeable, comme on a une batterie qui prend un petit peu de place, on perd 10 litres et ça nous amène à 42 litres d'essence. Au niveau des finitions, on aura pas mal de choix sur le Tucson. C'est sûrement une de la gamme où il y a le plus de choix. On commence sur la Initia, qui est l'entrée de gamme, donc à partir de 36 900 euros. Ensuite, on arrive sur la Intuitive, un petit peu plus. Ensuite, un package sur la Creative. La Creative, elle existe également en N-Line. Et il y aura la Executive, donc celle que je vous présente ici, mais elle sera disponible en Executive N-Line. Donc en gros, Executive N-Line, c'est le full option, vous avez la totalité. On aura quelques petites options supplémentaires, comme par exemple le toit vitré ou la suspension pilotée qui vaut environ 800 euros. La suspension pilotée, c'est quelque chose que je vous recommande, parce que ça permet d'avoir une voiture plus dynamique et à la fois plus confortable. Et bah, ça gère très très bien le tout en fait. C'est la seule façon d'avoir le meilleur compromis, une suspension pilotée. Elle sera disponible en 7 couleurs, dont ce nouveau vert, ce Cypress Green. Elle existera avec des bitons que vous pouvez voir sur le configurateur. On aura toujours le choix d'un intérieur noir comme ça, ou d'un intérieur crème sur les versions exécutives, ou des selleries en alcantara et cuir avec des surpiqûres rouges sur les versions N-Line. N-Line qui apportera 2-3 petites touches également nouvelles sur cette version. Vous allez me dire, Nico, mais qu'est-ce qui change? Parce que oui, elle ressemble beaucoup à la précédente version. Hyundai a vendu une bonne partie de ces Tucson due à ce look totalement différent. Et c'est vrai qu'au début, on s'était dit, qu'est-ce que c'est que ce machin qui arrive là? Et petit à petit, on s'est dit, c'est vrai que c'est différent, ça a du style, ça a du caractère, et clairement, ça a fonctionné. C'est pour ça qu'ils en vendent autant, et en Europe, c'est pareil, au niveau du segment, dans plein de pays, ils sont premiers, parce que c'est top, c'est confortable, c'est spacieux, c'est un look atypique, et... en fait, c'est bien. Moi, je l'ai recommandé à pas mal de monde, ce Tucson, et je pense que la plupart des gens sont assez contents d'avoir fait cet achat. D'ailleurs, si vous avez un Tucson, n'hésitez pas à me donner votre avis et votre retour sur cette voiture dans ces commentaires pour aider peut-être d'autres personnes. Puis comme je disais, si ça vous tente d'aller essayer, il y a le petit lien dans la description. Bon, sur la partie haute, pas de différence. Le capot, ça reste le même, et c'est un restylage qui apparaît surtout à ce niveau-là. Donc, on peut voir que cette grille a changé. Donc, avant, il y avait plus d'éléments. Maintenant, c'est les parties. Donc, toujours avec ce style noir chromé qui, par transparence, fait éclairer les LED qu'il y a à l'intérieur. Et donc, ça a changé. Il y en a un petit peu moins. Elles ont une forme différente. C'est un peu plus agressif, je trouve. Et ça donne encore plus de virilité à cette voiture. Et là, elle n'est pas en N-Line. En N-Line, elle a des parties ici qui remontent, qui sont encore plus sportives, comparé à l'autre qui était juste quelques touches peintes et un intérieur un peu différent. Là, on voit qu'il y a pas mal d'évolution. On a toujours les blocs optiques juste ici. D'ailleurs, ça vient de s'éteindre parce que j'avais laissé depuis pas mal de temps. Donc, les blocs optiques ici, nouveauté sur le Tucson également, ça va être les feux matriciels. C'est la première fois que ça apparaît. Et d'ailleurs, le Santa Fe, lui, n'en est pas doté. Donc le Tucson, lui, a le droit, puisque c'est une des voitures les plus vendues en plus. Ce n'est pas le plus haut de gamme, mais il pourra en disposer. Ensuite, donc on a cette nouvelle partie également. Donc là, la différence, c'est que là, on est en vert mat. Là, on est en vert peint métallisé. Je trouve ça joli, ce contraste. Également sur le bas, cette partie qui fait lame. Ouais, ça a vraiment du style. Caméra 360, donc caméra à l'avant sous le gros logo Hyundai, également dans les rétroviseurs. Et... non, c'est plutôt joli, on a toujours des volets ici actifs pour jouer sur le côté aérodynamique. À l'arrière, non, pas de volet ici, le gros radiateur et le logo Hyundai ici en noir mat. Voilà, moi j'attends vos avis, mais perso, dans cette config, elle a vraiment beaucoup, beaucoup de style. Et sous ce capot ici, plongeant, on aura donc le moteur 1,6 litre couplé avec le bloc hybride, donc dans tous les cas, soit hybride simple, soit hybride rechargeable. Fini les diesels, fini les essences simples, parce que ça ne se vendait plus, et y a tout intérêt, au final, à prendre la version hybride. Sur le côté, ça ne change pas. Alors là, on n'a pas d'évolution, ils n'ont pas travaillé le côté, ça reste la même chose, toujours ces formes ultra atypiques, les arches de roue en plastique pour toutes les versions, sauf les versions N-Line qui ont les arches de roue ici peintes couleur carrosserie, qui fera la différence, justement, et qui amène le côté un petit peu plus premium. C'est vrai que si... sur ce vert là, c'était pas en vert, ça aurait pu être très joli. Au niveau des rétros, on a toujours cette baguette qui vient ici et ensuite qui remonte jusqu'à là-bas avec ce boomerang ici, pareil, retravaillé avec certaines formes. On a les barres de toit peintes en noir brillant sur notre version aujourd'hui et juste derrière, le grand toit panoramique ouvrant et vitré. Petite antenne type requin et cette partie, j'aime beaucoup cette partie, c'est très travaillé et ça là, ça amène vraiment tout sur cette voiture. Également là, ces lignes fortes de partout.
Le mec qui a dû designer ça, il a dû s'éclater. Il a dit, viens, on découpe comme ça, on fait ça, 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 viens, on tire un truc ici. Le mec, il a dû arriver avec son outil et se dire, ouais, ça rend bien. Et bah, y a très peu de voitures comme ça au final. Hein. Mais ça a son style. Et je trouve que sur le vert, selon les angles, ça ressort super bien. De ce côté-là, pour ceux qui ont retenu, 52 litres d'essence pour cette version hybride, 42 pour les versions PHEV. Toujours des poignées type frigo. Et je vous emmène sur l'arrière. Le trois quarts arrière, lui, il n'y a rien qui évolue. On garde toujours la même chose, les mêmes feux arrière, le même bandeau, la même chose. Là, on n'a pas d'évolution. Hein. C'est surtout sur l'avant. Ils se sont dit, on ne va pas trop toucher au style parce que ça plaisait beaucoup aux gens. Par contre, à l'intérieur, vous allez voir, il y a vraiment pas mal de différences. On retrouve toujours la même chose. L'essuie-glace caché ici, ça c'est très bien. Ça évite d'avoir quelque chose de moche ici ou que les gens puissent vous le soulever. Vitre arrière surteinté partout à l'arrière. Et ensuite, donc ce grand bandeau ici, caméra de recul, caméra 360 comme je vous disais en option. Et la partie basse ici en plastique, pareil pour cette partie. Les clignotants qui sont toujours ici en bas à l'arrière sur les extrémités. Et cet échappement assez joli en forme un petit peu, je ne saurais pas trop comment dire, c'est mi-carré, mi-triangulaire. Hop! Le coffre, version motorisée. Alors ça, c'est quand même assez agréable. Coffre de 616 litres selon les versions. Donc 616 litres pour la version hybride, 558 litres pour la version PHEV. 616 litres. Voilà, je rentre ici sans problème. Pareil là, là je pourrais rentrer ici comme ça. Et encore, j'ai la plage arrière où je pourrais gagner encore 15 cm. C'est vraiment spacieux, 616 litres. On peut rabattre les banquettes directement en tirant ici. On a un haut-parleur là pour le subwoofer qui est en gros le caisson de basse. Une prise 12 volts de ce côté-là. La plage arrière qui vient se refermer ici et qui est flexible. On a... Bougez pas. Hop. Là, encore de l'espace de rangement. On peut mettre ça et regarder la profondeur. Voilà, pour vous faire une idée. Le kit anti-crevaison, un petit peu d'espace de rangement ici. Sinon, sur la version PHEV, on en aura moins puisqu'on aura le pack de batterie donc qui sera situé sous ce plancher. La banquette se rabat en 40-20-40, ça c'est plutôt pas mal et ça laisse vraiment beaucoup de volume ici. Et c'est pour ça que ça se vend bien aussi parce que je sais que vous aimez bien l'espace dans le coffre et là, c'est vraiment généreux. Allez, c'est parti, on va voir les places arrière. Alors, au niveau des places arrière, je vais quand même vous remontrer, même s'il n'y a pas d'évolution, pour vous montrer mon gabarit à l'intérieur. Donc, je rentre ici vraiment facilement et je viens m'installer là. Ouh là là, j'ai eu peur que la porte se referme sur la caméra. J'ai déjà cassé beaucoup trop d'Osmo Pocket. Nicolas, 1m80, ce siège est reculé parce qu'il est électrique et donc il me facilite la sortie et donc il a reculé sur au moins ça. Donc, vous prenez ça et vous rajoutez encore ça. Ça vous fait une idée de l'espace, mais regardez, même lorsqu'il s'est reculé beaucoup, là mes pieds ne touchent quasiment plus les pédales, l'espace qu'il me reste. Je viens fermer ma portière ici, portière avec une belle finition. Sur le haut, c'est moussé, j'ai mon petit rideau juste ici. Le grand toit vitré, ça, ça fait toujours plaisir dans les voitures, ça rend l'intérieur beaucoup plus lumineux. Des poignées pour les trois passagers. Le conducteur, lui, n'y a pas le droit. Alors ça, je ne comprends jamais pourquoi le conducteur n'y a pas le droit. Est-ce que c'est juste une petite économie? On se dit, bah lui, il n'en a pas besoin. Mais mettez-moi dans les commentaires si vous savez. J'avoue, je n'ai jamais posé la question pourquoi, de temps en temps, le conducteur n'y avait pas le droit. Je sais que des fois, les autres, bah, c'est pour des questions de coût. Mais le conducteur... Ensuite, un bel intérieur, finition avec du tissu, un accoudoir. Siège chauffant pour les deux sièges ici à l'arrière sur les extrémités, commande de fenêtre, la portière, de quoi mettre une petite bouteille dans le bac de porte, les grandes ne rentreront pas. Par contre, j'ai de la place pour les pieds, j'ai de la place pour les genoux, j'ai de la place pour la tête. La banquette est inclinée, ce qui est bien chez Hyundai, c'est qu'on peut jouer sur l'inclinaison sur une dizaine de positions et aller jusqu'à vraiment incliner. Et là, on est en mode relax. Donc ça, pour partir en vacances sur les longs trajets, les enfants ou les copains que vous allez mettre derrière seront ravis d'être à l'arrière parce qu'on est bien. On a même nos petits rideaux pour le soleil. Ou si on veut regarder la vue, les fenêtres sont grandes et c'est lumineux, malgré le fait que ce soit surteinté juste ici. Sur la banquette arrière, je retrouve également un accoudoir avec... la petite languette, bien pratique. Ah, par contre, ce qui me perturbe un peu, c'est que c'est pas la même hauteur que l'accoudoir sur le côté. Ça, j'aime pas être un petit peu décalé. Mais il est un petit peu ferme, mais double porte-gobelet au milieu. On peut reprendre normalement donc cette partie ici, quelque part, il doit y avoir un endroit pour tirer dessus et alors, je sais pas comment. Ah, c'est derrière, là. Il y a une petite
palanguette, une petite poignée. Donc ça nous fait une sorte de grande trappe à ski, donc banquette en 40-20-40, ça c'est plutôt pratique, et on a un plancher quasiment plat dans le prolongement lorsque on a la partie en haut qui est mise. La troisième ceinture se situe là-haut directement dans le toit. Alors ça, j'avoue que je ne suis pas hyper fan, mais quand on a la banquette qui vient s'enlever comme ça, c'est vrai que c'est plus pratique. Et ça aurait été mieux là quand même. Les lanières ici, alors ça c'est fixé, c'est en dur, ça bouge, on va voir ce que ça donne. Petit tunnel central ici puisqu'il existe des versions 4 roues motrices, deux ports USB-C, la climatisation ici en tri-zone, ça c'est une option. Également on peut toujours bouger le siège ici avant lorsque la voiture est démarrée de l'arrière ou lorsqu'on est conducteur. Ça peut être pratique, par exemple moi des fois je fais monter ma maman, la pauvre elle a beaucoup de mal à se déplacer et j'avoue que je peux avancer, reculer le siège pour qu'elle rentre plus facilement sans avoir à être sur le côté et aller bouger. Ça peut être un petit plus. Par contre, pour les enfants, ils vont vite aller s'amuser avec ça. Allez, j'enjambe ici la place du milieu. Hop, allez, je décale ça. Alors ça va, moi je ne suis pas extrêmement large du popotin. Les ceintures ne me gênent pas ici. Par contre, donc c'est beaucoup plus ferme au niveau du milieu. Et le dossier, là, c'est vraiment beaucoup plus dur puisque c'est un accoudoir. Par contre, il me reste encore de la place aux genoux, à la tête. Mes pieds, par contre, viennent au niveau des rails. Par contre, ils ont mis des petits trucs sur les rails pour que je puisse mettre mes pieds dessus. Et ben, ça, c'est assez intelligent. Ou je peux mettre un peu là. Mais surtout, les mettre comme ça, ben, je trouve ça top puisqu'ils cachent les vis et autres. Et ça en fait quelque chose de plus agréable. Et là, j'ai une belle vue sur l'avant et surtout ce grand toit vitré. On est pas mal. Et pareil, on peut toujours incliner cette partie ici, si je souhaite. Ou comme ça. Hop. La banquette, elle, ne coulisse pas sur cette version. Fixation Top Taser et ISOFIX sur les deux sièges, sur les côtés. Allez, venez à l'avant, découvrir ce qui change. Allez, comme d'habitude, un petit tour d'auto parce qu'on s'en rend tellement mieux compte, comme ça, des proportions, des formes. Alors, on a toujours le taux de rafraîchissement, mais on voit vraiment les blocs optiques qui changent. Ce côté un poil plus agressif, je trouve, sur l'avant quand même. Et des formes moins arrondies au niveau des blocs. Le côté, donc pareil, hein, toujours la même forme. Ça, on n'a pas de changement. Des grandes jantes qui vont du 17 au 19 pouces. L'arrière, alors désolé, un petit contre-jour, puisqu'on reprend un peu de soleil. Cette arrière, donc pareil, hein, qui fait que le Tucson est reconnaissable du petit coup d'œil. On le croise à peine, on sait ce que c'est. Poignée type frigo juste ici. Je rentre à l'intérieur, ça me donne donc partie moussée ici, partie cuir également très douce à cet endroit-là, et ensuite ce tissu. Donc ça, on reconnaît un petit peu. La mémorisation des positions pour deux positions des sièges. La poignée pour ouvrir. On retrouve là une grande poignée donc qui est bien profonde, bien creusée, c'est hyper intelligent. Voilà, ça fait pas comme la voiture que j'ai fait récemment. N'hésitez pas à me dire le nom pour ceux qui suivent bien la chaîne et tous ceux qui sont abonnés. Donc là, c'est bien creusé, ça c'est intelligent. Bloquer les fenêtres arrière, les commandes de fenêtres, verrouillage du véhicule, les commandes de rétroviseur juste ici. Ensuite, là, c'est un petit peu cuir à jusqu'ici. Ensuite, on a seulement une partie plastique dur sur le bas. Donc en gros, tout ce qu'on touche, c'est hyper agréable. On a les seuils de porte ici, Tucson. Plutôt joli. Tapis de sol Tucson. Le pédalier, donc deux pédales, puisque voiture en boîte automatique exclusivement. Il n'existera pas de boîte manuelle. Les sièges, donc ressemblent à ça sur cette lignation exécutive. Il existera des versions N-Line où tout le centre ici sera en Alcantara, tout comme l'assise, et ils seront un peu plus rembourrés avec un motif spécial. Également, ils peuvent être chauffants et ventilés, les sièges. Voilà. Hop, allez, je vais aller me mettre ici. Alors, elle me dit de démarrer la voiture parce que depuis tout à l'heure, j'ai laissé le contact. Allez, je la démarre. Et voilà, c'est parti, elle est démarrée. Et bien sûr, dans le silence, puisque c'est une voiture hybride. Et d'ailleurs, je vais mettre un petit peu de clim, parce qu'il fait assez chaud lorsque la voiture n'est pas démarrée. Le volant, un volant. Alors, il n'est pas totalement rond. Regardez, il y a des petites parties ici où ça remonte un petit peu, ce qui nous permet d'avoir une meilleure préemption ici, sur le haut, il est quand même rond. Mais là, en gros, une forme ronde, sauf cette petite lax croissance ici. Voilà. Par contre, vous pouvez voir que ça a changé. On reprend le nouveau logo qu'on met sur les volants depuis les Ioniq avec 4 points parce que ça, c'est en morse, les 4 points
la lettre H de Hyundai. Et le H, on va le retrouver par exemple sur plein de petits détails, surtout sur le nouveau Santa Fe. Là, on a de ce côté-là, oh, regardez, c'est tout neuf, ils sont tellement tout neufs qu'il reste encore les petits plastiques. J'adore faire ça, ça j'adore les enlever. Non, c'est tout neuf, je ne sais pas quoi en faire maintenant, je le mets sur le côté. Bref, oh, c'est tout beau, ça, j'adore. Donc, de ce côté-là, les aides à la conduite de niveau 2 ici avec le volant en centrage de voie, la distance avec le véhicule qui me précède, plus vite, moins vite ou remettre. Ça, c'est faire défiler les menus qu'on a ici au centre de cet écran. Ah, voilà. La voiture vient de démarrer, vous pouvez le voir là, juste ici. Voilà, ça, c'est le contour de cette façon. On a les températures moteurs, les infos qu'on souhaite, la direction, les aides à la conduite si elles sont actives ou pas de cette façon, et on peut avoir nos infos de consommation, etc. Juste à l'arrière de cet écran. Sur la droite, ce sera les modes de la musique, la commande vocale, décrocher au téléphone, la touche favori qu'on peut personnaliser et changer de musique, et le volume juste ici. Derrière le volant, on va retrouver deux palettes, moins et plus. Alors selon les modes, d'ailleurs les modes ont changé. Alors pendant qu'on en parle, les drive modes sont ici. Et regardez, les modes, il reste que le sport ou le éco. C'est tout. Donc, le mode normal a disparu, puisqu'au final, il va mieux utiliser le mode éco. Et c'est mieux également pour les économies d'énergie. Et lorsqu'on a besoin d'appuyer un peu plus fort, on appuie sur le mode sport. Et là, on a toute la puissance. Donc, le mode normal n'était pas forcément utile. Le mode éco convient très bien. Lorsqu'on est en mode éco, les deux palettes que vous retrouvez derrière le volant servent à la régénération. Donc, moins... Et donc moins de régénération en appuyant sur plus, donc roue libre avec le plus, et on a trois niveaux de récupération avec le moins. Et toujours chez Hyundai, quand on reste tiré sur la pédale, pas la pédale, la palette, ça va aller freiner la voiture comme un mode B. Ensuite, de ce côté-là, on a essuie-glace, clignotant. Et surtout avec ça, spécifique chez Hyundai, que je trouve toujours extraordinaire. Et ça, ils le font sur plusieurs modèles. Et ça, c'est vraiment bien. L'affichage des angles morts, juste ici. Et ce qui est top, c'est que vous voyez, le régime s'affiche toujours en haut, tout comme la vitesse. Eh bien, c'est pas effacé. Contrairement à une autre marque japonaise qui affiche ça dans l'écran et qui supprime tout. Là, c'est la meilleure intégration possible. Et les appels de phare de ce côté-là, plus le mode auto pour les feux, et à chaque fois qu'on change, eh bien on le voit ici sur le menu directement dans notre écran. Et pareil si on l'éteint, le mieux c'est de laisser en mode auto. Et donc maintenant, même lorsqu'on bascule vers l'avant, on a le mode plein phare automatique que vous pouvez voir, plus des feux matriciels qui vont pouvoir détourer. Et ça, c'est une belle évolution, bravo Hyundai. Et de l'autre côté, là, ce sera cette fois-ci les essuie-glaces de ce côté-là, bien sûr avec un mode auto et l'essuie-glace arrière sur l'extrémité. Sur la gauche, on a toujours de quoi ouvrir le coffre, désactiver l'ESP, réinitialiser la batterie 12 volts et le frein de stationnement ici, j'appuie pour le désactiver et je tire vers moi pour l'activer. Nouveauté également, vous l'avez peut-être vu depuis tout à l'heure, c'est ce nouvel écran et regardez, c'est incurvé ici. Donc hop, ça change, avant c'était à plat en deux parties. Là on retrouve ça qui vient de la gamme Ioniq avec cette petite partie textile ici. Et ensuite donc cet écran incurvé. Donc j'ai vraiment l'impression lorsque je suis conducteur que tout est tourné vers moi et c'est assez appréciable, tout comme la console centrale ici. Et un petit peu tourné vers moi, très légèrement, on peut le voir, mais ça donne au conducteur vraiment la sensation de posséder son véhicule et que tout est ergonomique pour lui. Là, c'est très léger, mais ça fait plaisir. Et également, vous avez peut-être pu le voir, c'est ça. Le sélecteur de vitesse est passé là, ce n'est plus les boutons. Ici, donc maintenant, on est comme sur les Ioniq, drive vers l'avant, reculer, je tire vers moi et ça m'affiche les caméras. Juste ici, on peut voir caméra 360 degrés sur cette version et également ce petit mode que je trouve vraiment très très cool. Alors, dommage Hyundai de ne pas me l'avoir fait en vert comme la couleur de ma voiture, mais bon, c'est déjà très très bien d'avoir ce genre d'option. Et ça fonctionne si je recule, regardez par exemple, hop, les roues qui tournent et tout qui est bien fait. Alors ça, je trouve ça quand même vraiment extraordinaire à chaque fois. À montrer aux copains, c'est toujours cool parce que tout le monde n'a pas forcément ça. La touche parking, juste ici comme ça. Les écrans, je vous l'ai montré, on a un affichage tête haute également, donc un écran qui vient se réfléchir sur le pare-brise, donc il me donne ma vitesse, mes aides à la conduite et autres. Ça également, c'est une nouvelle partie, comme vous pouvez le voir, maintenant on a un bac de rangement ici sur le haut, donc c'est
On a des plastiques un petit peu durs, mais c'est assez joli avec la transition tissu et plastique qui a un petit peu le même motif. Donc avec de quoi mettre les téléphones et des petits compartiments pour pas que ça ne bouge trop. Et ensuite sur le haut, ce cuir qui est assez joli et très élégant. Et pareil au toucher, ça a le prolongement d'ici et c'est super doux, c'est très agréable. Les aérateurs ici, donc on peut voir, on en a trois sur cette partie. Le quatrième pour moi qui est de ce côté-là. Alors petit coup de gueule. Je le dis un petit peu maintenant chez les marques, mais on n'a plus le réglage du débit d'air. Donc souvent, même moi, par exemple, vitesse 1, c'est trop fort pour moi et je ne peux plus le régler. Et si je veux le fermer, alors il faut que j'aille là-bas. Et donc, en gros, déjà, si je veux de l'air sur moi, mais un petit peu d'air, je ne peux pas le régler. C'est soit je le tourne là-bas et si je veux le fermer, c'est comme ça. Ça m'embête un petit peu, ça, de qu'il fasse des petites économies de quelques centimes sur le réglage du débit d'air. Mais bon, après on peut jouer, mais par exemple même en puissance 1, je trouve que l'air vient trop fort sur moi et j'aime bien avoir un petit peu d'air qui vient sur moi. Ensuite, en dessous, ça c'est nouveau également, tout comme cette partie, je reviens dessus juste après. On a toujours le volume ici, changer de musique ou de radio de ce côté-là, et toujours les raccourcis. Donc ça c'est toujours top chez Hyundai, avoir le raccourci carte par exemple, donc pour la navigation, search, média, changer de musique, la touche favori ici et les réglages de la voiture. Donc les réglages directement sur cet écran et la touche favori qui va me permettre de désactiver par exemple en favori, hein, aller dans les assistances à la conduite, désactiver la lecture des panneaux qu'il faut enlever vraiment parce que sinon c'est très embêtant et ça sonne toutes les 30 secondes chez nous en France parce que la reconnaissance des panneaux, ça ne marche pas très bien et on n'a pas assez de panneaux en France. De ce côté-là, le bloc climatisation, on peut voir que c'est une partie mate. Donc, peu importe, même s'il y a du soleil, j'arrive à voir quand même assez bien et il n'y a pas trop de reflets. Donc, je peux régler ma température, je peux synchroniser le bizone. Siège chauffant ici, siège ventilé ici, trois positions à chaque fois. Je peux mettre la clim que pour le chauffeur, je peux tout couper, climatisation, recyclage d'air, désembuyage et les sièges ventilés et chauffants pour le passager. Ensuite, plus bas, on retrouve cette partie. Donc ça, c'est pareil, c'est assez intelligent. Lorsque je connecte mon câble USB-C ici, j'ai un chargeur de ce côté-là. Et de ce côté-là, ça peut faire soit charge. Lorsque j'appuie ici, c'est que charge. Lorsque je rappuie ici, c'est charge plus connexion. Parce que des fois, je peux connecter et ne pas forcément vouloir faire en sorte que le téléphone se connecte à mon système multimédia. Donc je peux lui dire, tu fais que charger et envoyer de l'électricité. Ensuite, on a un petit bac de rangement ici, un petit bac de rangement là. Ici, donc c'est avec du caoutchouc. Assez avec de l'accroche. Là, c'est un plastique différent. Et ensuite, donc, on a une console flottante ici, donc qui est la nouveauté également, puisque on a pu décaler les touches ici à cette partie-là pour pouvoir passer en drive, reculer, etc. Les drive mode ici, comme je vous disais, éco ou sport, l'auto hold, le hill control, donc pour les grosses descentes. Alors ça, c'est assez rare de s'en servir. Les caméras, puisque je peux réactiver mes caméras ou lui dire mets-moi l'aide au stationnement. Et les bip-bip de parking juste à côté que je peux désactiver. Double porte-gobelet où je peux mettre des bouteilles. La clé qui ressemble à ça avec toujours l'option pour sortir la voiture et la démarrer à distance et sortir d'une place de parking par exemple. Et de ce côté-là, un chargeur par induction avec le téléphone qui est positionné juste à côté de moi. On a bien sûr l'Android Auto et l'Apple CarPlay sans fil. La couloir ici, on relève. Il y a des petits bonbons à l'intérieur. Boîte assez profonde pour vous faire une idée, voilà à quoi ressemble une petite bouteille à l'intérieur. Hop. Mettre la clé bien. Voilà. C'est bon ça ? Est-ce que c'est bon ça ? Voilà. Toujours ça. Donc pour avancer, reculer le siège, comme je vous disais, je peux également l'incliner en cas de besoin. De ce côté-là, donc un espace de rangement. La boîte à gants assez spacieuse. Alors, on pourra sûrement mettre une grande bouteille en longueur, 1,5 litre. Et la portière, donc, qui est comme pour moi. Sur le haut, on a un rétroviseur avec un bord assez fin, qui est plutôt joli. Sur cette partie ici, on a hop, les LED de chaque côté. Donc, il faut appuyer dessus. Ça, c'est pour allumer les deux, la touche SOS. Et également, cette partie-là, pour ouvrir ou fermer le store. Donc, c'est électrique. J'avoue que là, comme il fait beau aujourd'hui, et pas trop chaud, on va laisser ouvert. Et on peut ouvrir la partie avant également. Et vous pouvez voir que c'est une grande vitre qui vient s'ouvrir. On a bien sûr le déflecteur d'air ici pour pas qu'il y ait trop d'air. Est-ce qu'il s'ouvre un petit peu plus ? Ah d'accord, il s'ouvre pas tant que ça. Pourtant, il est très très grand, mais bon, ça suffit pour prendre l'air juste ici. Et lorsque j'appuie à fond, ça referme tout, la vitre et le store également, qui vient se refermer jusqu'au bout. Avec ce tissu clair, même si on a l'intérieur noir foncé. Bon,
Il reste plus qu'à aller essayer cette voiture et voir ce que ça donne sur la route, là aussi où ce sera pas mal important. C'est parti, let's go. Alors, c'est parti avec ce nouveau Tucson. Je vais vous faire un petit test avec tout type de route. Je me suis mis mon CarPlay, j'ai 1h30 de route. Je vais aller à Chalon-sur-Saône par la petite route et rentrer par de l'autoroute. Donc, je vais réinitialiser, puisque depuis le dernier plein, j'aime pas trop les infos là qu'ils m'ont donné. J'ai des collègues qui ont dû rouler un petit peu fort. Ils ont fait, alors je vous donne les stats, 83,5 km à 9 litres, en gros 8 litres 9, mais là la voiture tourne un peu, donc il devait peut-être à 8 litres 7. Donc je vais remettre à zéro, moi me faire mon test à moi comme je le fais en conduisant tout à fait normalement, sans faire de travelling, sans faire de grosses accélérations ou autre. Voilà. J'ai désactivé ma lecture des panneaux, tout ça. Là, je suis plutôt bien. Hop, ça a l'air. Alors, je vais mettre à plusieurs endroits pour que ça diffuse un peu, parce que sinon, ça met un peu trop dessus. La petite route de campagne, où c'est un peu dégradé, va commencer comme ça. On va récupérer mon siège. Alors, ce Tucson, moi, je l'avais trouvé déjà très plaisant à l'époque. Ils ont revu un petit peu la suspension et la direction. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas essayé un Tucson, mais j'ai l'impression que la suspension est un poil plus dynamique et s'est suspendue un petit peu mieux. Au niveau de la direction, elle paraît un peu plus légère. Après, il y a des gens qui aiment bien justement avoir un peu de consistance, ça dépend. Mais je trouve que pour ce genre de voiture, la légèreté, c'est pas forcément une mauvaise chose. Allez, c'est parti, on roule. Bien, on va mettre ça, les caler. Donc, c'est une voiture hybride. Un moteur électrique et un moteur thermique. 215 chevaux, ce qui est plus que largement suffisant. On va se tester un petit 0 à 100 tout à l'heure, dès que j'aurai trouvé une petite route et qu'on a roulé un petit peu plus, parce que sinon on va se faire peur au niveau des consommations. Donc là on est sur des petites routes de campagne, route à 80, on traverse des petits villages. J'ai fait exprès de choisir que des routes qui passaient par des petits chemins pour pouvoir justement faire du mix et ensuite re-rentrer par l'autoroute. Je ne sais pas trop combien il y aura de kilomètres en direct, mais comme ça, ça fait vraiment un réel mixte. Et surtout, ça peut nous donner une idée, parce que tout le monde n'habite pas forcément à la campagne, tout le monde n'habite pas forcément en ville. Et mon but, c'est de faire en sorte que le plus grand nombre s'y retrouve dans mes essais. Là, donc on a une direction plutôt agréable. Le volant est bien rond, ça c'est pareil, j'aime bien. C'est léger et j'ai une sensation de légèreté en fait à bord du Tucson. Alors j'ai pris un Santa Fe juste avant qui paraissait lui bien plus lourd et qui était également plus lourd. Hein. Il faisait quasiment 500 kg de plus. Hop, stop. Là. Et c'est parti. Ça relance largement correctement. Et pourtant, là, je suis en mode écho. Comme vous pouvez le voir, ça a assez de dynamisme. Et si besoin, c'est largement suffisant. Ensuite, il y a le mode sport qui donnera toute la puissance tout le temps. Mais le mode sport, clairement, à moins qu'on soit à la montagne et qu'on ait envie de rouler un petit peu vite, on n'en a pas besoin parce que même en mode éco, en fait, on peut déjà rouler de façon assez dynamique. Là, par exemple, c'est une légère descente. Je relâche le pied, je passe en électrique et même si je gardais un petit filet de gaz, eh bien, je resterais en électrique puisque le côté hybride nous amène justement un petit peu de puissance en élec. Et à chaque fois que je freine, je régénère de l'énergie. Également, les palettes, comme je vous disais, en éco, ça me permet d'avoir de la récupération. Si je reste appuyé sur plus à fond, eh bien, pas de régénération, une sorte de roue libre avec une toute, toute petite régénération. Ensuite, si je tire une fois niveau 1, qui a un petit freinage en élec, niveau 2 ou niveau 3. Le niveau 3, c'est comme un mode B. Alors là, il y a quelqu'un qui me suit derrière, donc je ne vais pas forcément le faire. Allez, par exemple, là, je relâche. Ça ralentit quand même pas mal. Niveau des relances, comme je disais, ça roule bien. Je peux mettre mes aides à la conduite si je souhaite avec mon régulateur. Hop, là et ça, comme ça. Voilà, comme ça, c'est la voiture qui roule. Je mets 80 et sur la petite route de campagne, je ne fais pas d'excès de vitesse et ça roule à la bonne vitesse. On a le centrage de voie également qui peut être disponible dès qu'il détecte bien les lignes. Alors à la campagne, ils ont un petit peu de mal. Parce que c'est pas tracé des deux côtés. Certaines marques arrivent à bien bien le faire. Là malheureusement, lui quand il n'a pas les deux lignes de chaque côté, il ne veut pas forcément le faire. Par contre, il va détecter la ligne du milieu. Si je viens gratter un petit peu dessus, il va vibrer dans le volant pour essayer de me recentrer. En tout cas, sur les petites routes de campagne où c'est un petit peu bosselé, c'est des routes assez anciennes, ça reste confortable. Ça amortit bien. On est bien dans les sièges, ils sont assez larges,
On a assez de maintien au final en latéral. Il y a une bonne visibilité dans le rétroviseur central. Les rétros sur les côtés sont assez larges également. Et au final, donc quand je suis en niveau 3, ça me fait une sorte de gros mode B, alors presque un one pedal, mais qui ne va pas jusqu'à l'arrêt. Là, je vais voir, il y a un rond-point qui arrive très bientôt. Dès que je relâche, ça freine quand même assez fort. Allez, petit passage de rail ici. Très bien filtré. Non, c'est plutôt plaisant. On va voir ce que ça donne sur justement là les 80 km à peu près niveau consommation. De mémoire, c'était plutôt pas mal hein, le Tucson. Je crois que j'avais fait une vidéo où j'avais fait plus de 1500 km avec. Et je me souviens plus parce que je fais tellement de voitures pour rien vous cacher. Alors ça me donne une bonne base de comparaison entre les marques. Donc, ça ralentit assez, mais ça ne va pas jusqu'à l'arrêt. On tourne ici. On a un peu de maintien ici, là sur le côté. Donc même quand je tourne un petit peu plus fort, ça va. Je suis pas trop mal maintenu. Allez, on met un petit peu de rythme. Ça s'ouvre un poil. Le SP rattrape assez bien sur le changement d'angle. J'ai l'impression que elle s'écrase un petit peu moins qu'avant. Allez, je remets mes aides à la conduite. 90 ici. Et là, donc il y a des lignes de chaque côté. Cette fois-ci, elle se débrouille très très bien. Elle sait les détecter. Alors, ce qui est un petit peu dommage chez Hyundai, c'est qu'il n'y a pas les panneaux tout le temps. Il fait seulement sur autoroute, à réguler automatiquement avec la navigation. Là, par exemple, là, c'est revient à 80, c'est à moi de rester appuyé et redescendre de 10 en 10. Si je monte une fois, ça monte de km/h en km/h. Si je reste appuyé une seconde, ça va monter de 10 en 10. 80 km/h. Donc là, j'ai le moteur démarré. Je suis normalement, je pense, en 6e. Ah non. Donc, il faut être en mode sport pour passer les rapports. Mais je pense que je suis en 6e. Je suis à 1500 tours minute, c'est assez agréable. Alors, le volant, je vais revoir si c'est un capacitif ou pas. Donc, capacitif, on sait si lorsqu'on le pince comme ça, s'il nous reconnaît. Donc, j'attends que l'info revienne juste ici. Non, donc c'est pas un capacitif, il faut mettre un petit peu de force sur la direction pour qu'il vous reconnaisse. Et donc là, on arrive en ville. À partir du moment où je freine, je passe en élec. Je vais enlever ma récupération parce que, par exemple, en ville, moi j'aime bien que ce soit un petit peu en roue libre plutôt que ça régénère tout le temps. Ça me permet de relâcher ma pédale et de laisser rouler un petit peu. Lorsqu'il y a vraiment des bouchons, ça peut être intéressant d'avoir la récupération au max pour créer un gros freinage régénératif. Mais sinon, quand c'est 50, c'est pareil, je me remets mon régulateur. Surtout les petits villages à la campagne, ça me permet de ne pas se stresser, rester à 50 et être vigilant au cas où, juste à freiner si j'ai besoin. Bon, pour le moment, 7 km. Bon, je vous donnerai les moyennes quand on sera arrivé au moins à une cinquantaine de kilomètres. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a une batterie donc quasiment de 1,5 kWh. Lorsqu'on arrive d'une route nationale ou départementale comme ça, qu'on traverse un petit village, on va quasiment traverser tout le village en 100% électrique. Là, je suis toujours en électrique, je suis rentré il y a un petit kilomètre. Et la batterie est assez longue et assez épuisée. Ça reste assez longtemps, surtout là, c'est un petit plat, 50 km/h. À 50 km/h, ça consomme pas grand-chose en électrique. C'est surtout ce calme aussi, le fait de pas du tout entendre le moteur. Et ça, je trouve que pour la ville, c'est assez bien. Et là, par exemple, ça va ralentir devant. Je vais encore recréer un petit peu d'énergie. Et lorsque je vais réaccélérer, il est possible que le moteur redémarre. Mais comme je suis à plus de 60% de batterie là actuellement, si j'adopte un petit peu les gestes d'éco-conduite, là, par exemple, je réaccélère, le moteur reste en élec parce que j'accélère pas trop fort. Et comme il va y avoir une zone à 90, si je réaccélère un petit peu plus fort, là, le moteur se redémarre. Je sens pas du tout la transition. Je l'entends par contre légèrement. Ça reste un 4 cylindres, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Je me remets mes aides à la conduite. Hop, 80. Et c'est reparti. Ensuite, à régime stabilisé. Bah, là, il vient de se recouper, par exemple, parce qu'il n'a pas besoin de beaucoup. Il a relancé jusqu'à 80. Ensuite, il s'est coupé. Il régule petit à petit. Là, ça remonte un poil. Il va peut-être redémarrer. Même pas. Donc, en gros, il faut vraiment le laisser faire sa vie. Si on met un petit peu de musique, on sera incapable de dire en conduite du quotidien si le moteur se démarre ou pas. Et je trouve ça plutôt bien, ça permet de faire quand même de sacrées économies d'essence parce que là, par exemple, je suis en électrique. À chaque fois que je vais freiner, il va pouvoir récupérer. C'est ce qu'on ne peut pas faire avec un moteur essence simple ou un moteur diesel, recréer de l'énergie qui va être redistribuée ensuite. C'est pour ça que c'est quand même très très bien l'hybride. Ça permet de créer du carburant pour alimenter
un moteur électrique. Bon, l'avantage non négligeable de l'hybride, c'est dans les bouchons, tout comme les aides à la conduite, ça conduit tout seul et surtout, on ne brûle pas de carburant pour la majorité des cas dans les bouchons. Des fois, ça va redémarrer un petit peu. Ah bah, comme là, par exemple. Bon, alors. Ah oui, d'accord, pareil, comme les gens qui doublent sur des zébras. Mais voilà, sinon, on est en élec la plupart du temps, à part quand ça redémarre un petit peu fort. Parce que brûler de l'essence pour rien à l'arrêt, c'est pas utile. Ce qui est dommage, c'est qu'il faut relancer. Alors, elle fait bip bip pour me dire, il y a quelqu'un qui s'éloigne devant. Elle redémarre quand même, là. Bah là, titine. Comment ça, on redémarre dans les bouchons? Parce qu'elle essaye de relancer assez fort. Je vais essayer. Normalement, vous allez voir. Si je redémarre moi-même, là, j'ai appuyé sur le frein, donc ça m'a coupé les aides à la conduite. Si je redémarre moi-même, vous voyez, en y allant doucement, je reste en élec. Ah non, elle redémarre. Bah, dis donc. Et dès que je relâche, elle repasse en élec. Ok. Alors, je ne sais pas pourquoi elle fait ça. Normalement, elle est censée rester un petit peu plus en élec. Bon, c'est elle qui a envie. Je la laisse gérer. Pour le moment, 20 km pile poil, moyenne à 5 litres d'eau. Donc là, il y a un petit peu de bouchon en ville. C'est pas grand-chose, hein, c'est juste l'arrivée d'un rond-point. Comparé à nous en région parisienne, c'est de la rigolade. Là, tout à l'heure, il m'a dit, il y a un ralentissement, 1 minute 30. J'ai dit, mince alors. Mais bon, je vais quand même me laisser les aides à la conduite. C'est quand même mieux la province. Il y a beaucoup, beaucoup moins de bouchons. Enfin, quoique là, on est quand même à Mâcon, ce qui reste une grande ville. Tu connais le karma. Ça fait un quart d'heure qu'on n'a pas bougé. On est là, on ne bouge pas. Bon, j'ai trouvé une petite route où il n'y a personne. On va passer en mode sport. On va se tester le 0 à 100. Allez, let's go. Ça accélère plutôt bien. 50 déjà. Waouh! 70, 90 et 100. Ça marche franchement bien. On n'a clairement pas besoin de plus, comme je disais. J'enlève le mode sport, je repasse à ma déco. Alors, où est-ce que j'en suis? 41 km, moyenne à 6 litres 2 pour le moment. Je m'attendais un petit peu mieux quand même. Je pensais que ça consommerait un poil moins. Bon, je me suis tapé quand même pas mal de bouchons à 41 km en 1h10. Je croirais vraiment la région parisienne. Satané Tour de France, je crois que c'était ça qui bloquait le tout. Mais bon, c'est reparti pour du roulant. Les petites routes de campagne ici, c'est du 90, donc ça roule plutôt bien. C'est assez agréable. À cette heure-ci, il n'y a personne, 19h30 à la campagne. C'est plutôt plaisant. Je vais continuer direction Chalon-sur-Saône et ensuite retour par l'autoroute pour aller manger ce soir parce que je commence à avoir une petite faim là. Et on verra ce que ça donnera sur l'autoroute aussi niveau consommation. Parce que là, 6 litres de moyenne sur les petites routes de campagne, alors que c'est que 80-90 depuis tout à l'heure. J'ai pas du tout fait de 110. Il y avait de la ville et beaucoup de 70. Et surtout, bah, en fait, on enchaîne plein de petits bouts à 90 et ensuite c'est redéville. Donc je m'attendais un petit peu mieux. Allez, c'est parti, je prends l'autoroute. On va voir ce que ça donne, moyenne à 6 litres pile poil sur 69,8 km, donc sur 70 km, 6 litres sur les petites routes de campagne. Donc là, direction Lyon de l'autre côté. Je me suis arrêté un petit peu avant Chalon parce que sinon j'allais être vraiment vraiment trop en retard. Mais 70 km déjà, c'est plutôt pas mal. Allez, hop, en appui, ça tient plutôt bien. Ça s'appuie un peu, mais on peut y aller quand même assez fort en virage. Et allez, on réaccélère ici. Donc, on entend un petit peu le moteur lorsqu'on monte haut dans les tours. Alors, je vais me faire un petit bout de 110 d'abord pour commencer. Alors. Hop. Alors, là, c'est tout droit. De toute façon, 31 km d'autoroute. Alors à 110 km/h, je suis à 2100 tours minute. Très léger bruit du vent sur l'eau, mais c'est très très contenu. Le bruit de roulement, ça reste correct. Gros camion. On n'entend pas tant que ça les camions lorsqu'on les double. C'est plutôt agréable.
Là, ça fait 1h40 que je conduis, je suis bien dans mes sièges, c'est toujours aussi confortable. Là, je suis à 110, voilà, c'est passé à 2000 tours, donc ça doit jouer entre 2000 et 2100 tours minute. Donc en sixième rapport, et si je vais mettre à 130, j'appuie pour que ça monte de 10 en 10, ça relance. Ça relance plus gentiment, je trouve, sur autoroute que sur les petites routes. Sur les petites routes, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus brutal, même en mode éco. Et sur autoroute, ça y va beaucoup plus smooth. 130 km/h, je suis à 2400 tours cette fois. On entend une petite présence moteur, donc quelque chose qui tourne, mais c'est pas trop présent. Ça reste plutôt correct alors qu'on est en légère montée en plus. Même les bruits du vent restent relativement bien contenus à 130 km/h, c'est plaisant. Il y a l'air d'y avoir un petit peu de vent là, les branches bougent pas mal. À compte au niveau de la consommation, donc ça augmente tout de suite un petit peu. On va voir sur 30 km, le but c'est de se faire une moyenne. Donc là ça redescend à poil. Donc l'instantané, c'est pas franchement très fiable sur l'autoroute parce que c'est toujours léger plat montant, léger plat descendant. C'est rare que ce soit vraiment vraiment plat une autoroute. Donc on va voir, je vous reprends dans 26 km maintenant, voir ce que ça donne et on se refait un petit débrief sur la route. Pour le moment, je continue à rouler 130 tout le long. Alors, me voici sorti de l'autoroute et moyenne, qu'est-ce que j'ai fait de mon ticket, à 6,8 litres, donc ça a réaugmenté un petit peu. Donc on a pris 0,8 de plus. Hop. Donc c'est pas déconnant non plus sur autoroute. Et c'est dur de juger, il aurait fallu faire vraiment beaucoup plus de chemin pour pouvoir savoir exactement combien ça consommait. Bon, je vous fais un petit débrief juste ici. La voiture reste toujours agréable, ça reste la même, l'intérieur qui a changé un petit peu, c'est pas révolutionnaire, mais il y a quand même pas mal de changements quand on monte dans un ancien, par exemple là toute cette partie à droite, cette partie centrale, le volant un petit peu, les écrans également, donc ça fait quand même pas mal de choses qui changent. Sur l'extérieur, j'ai bien aimé qu'il conserve ce look qui était assez intéressant déjà dès le départ, sans en faire trop. L'avant, le moderniser un petit peu, mais en gardant toujours le même esprit. Parce que chez Hyundai, comme vous avez pu le voir, par exemple, le Santa Fe, lui, a changé du tout au tout et sur un restylage. Donc, ça aurait pu être la même chose avec le Tucson. Mais ils se sont dit, non, c'est tellement un volume de vente incroyable qu'on va garder quand même notre recette qui marche bien. Et au final, ça reste toujours une très bonne voiture, agréable, des consommations correctes. On pourrait s'attendre peut-être un petit peu mieux parce que c'est vrai que maintenant il y a des moteurs hybrides qui ont de très très bonnes consommations. Après, avec le petit bout d'autoroute, je trouvais pas ça déconnant. C'est toujours spacieux, c'est très bien à l'arrière, il y a toutes les technologies qui vont bien, les aides à la conduite et autres. J'aime bien ce nouveau vert, il est différent. Il a un petit côté classe qui fait que c'est assez sympa. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle couleur et ce nouveau restylage? Est-ce que vous trouvez qu'il apporte quelque chose supplémentaire ou est-ce qu'on aurait pu garder l'ancien? Je compte sur vous dans les commentaires. N'hésitez pas, le petit pouce bleu comme ça si vous aimez cette vidéo, à vous abonner et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!